بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc nous allons essayer de terminer aujourd'hui le commentaire de sourate Naziat. Et la dernière fois nous sommes arrêtés au verset 34, donc qui termine la troisième partie de la sourate, dans laquelle Allah Azza wa Jal interpelle notamment les négateurs de la résurrection de méditer sur la création des cieux et la création de la terre avec les caractéristiques des deux, des cieux et de la terre. Ensuite Allah Azza wa Jal dit, et c'est la quatrième partie, l'avant-dernière partie de la sourate, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, puis conviendra le grand cataclysme. C'est ainsi que beaucoup la traduisent. Alors, فَإِذَا جَاءَتْ, جَاءَتْ, ça veut dire lorsqu'elle viendra, lorsque At-Tama viendra. Donc il a quelque part attribué à At-Tama, et At-Tama bien entendu ça fait référence à la fin du monde, on verra à quoi elle fait exactement référence. جَاءَتْ ça veut dire lorsqu'elle va arriver. D'habitude, c'est pas l'événement qui vient, ben c'est pas un moment qui vient, c'est nous qui allons vers l'événement. Supposons, c'est pas un jour qui va venir, ou un moment bien déterminé qui vient à nous, mais c'est nous qui allons vers notre fin, qui allons vers At-Tam. Mais bien entendu, ça c'est un style métaphorique que le Coran utilise et que les Arabes ont l'habitude d'utiliser quand il l'utilise lorsqu'on est sûr de l'arrivée d'une chose et qu'on attend une chose. Supposons par exemple, il y a une inondation qui a commencé à 30 km de la ville. Et donc on vous dit qu'il y a une inondation immense qui est en train de tout dévaster dans son passage. Et donc on va dire l'inondation est arrivée à notre ville. Parce qu'on attendait qu'elle allait arriver, on s'attendait à son arrivée. Bien que, ici j'ai donné l'exemple d'inondation parce que ça c'est un fait physique, matériel qui bouge. Et donc elle va se déplacer d'un endroit vers un autre. Alors que l'heure, lorsqu'il s'agit de l'heure, là c'est seulement un événement temporel qui ne se déplace pas d'un endroit à un autre. L'heure, c'est la survenue de la fin de l'existence de l'être humain, de certaines créatures sur terre. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ, la traduction par le cataclysme n'est pas forcément une bonne traduction. Tama, dans la langue arabe, c'est un événement qui est très grand et qui dépasse tous les événements qui peuvent lui ressembler, ou toutes les épreuves qui lui peuvent lui ressembler. Donc c'est un événement qui nous fait oublier tous les événements qui lui sont similaires, de près ou de loin. Ceci, on le trouve chez les Arabes lorsqu'ils disent « tamma al-ma'u ». « Tamma al-ma'u », ça veut dire que l'eau a inondé les choses. Elle a couvert par son inondation. « Tamma al-ma'u », ça veut dire que l'eau a inondé les choses, il les a couvert tellement l'eau était haute. Ou bien lorsque les Arabes disent tamma al-farasu tamiman, tamma al-farasu tamiman, c'est lorsque le cheval déploie toute son énergie pour courir. Autrement dit, il ne laisse aucun effort pour courir. Il déverse le tout, le maximum de ce qu'il a. Donc c'est de là que vient tamma. Ça veut dire c'est un événement ou une épreuve qui arrive à son maximum. On ne peut imaginer un événement qui peut lui ressembler ou lui arriver même à la cheville. Et il fait oublier tout le reste. L'imam Al-Qaffal, rahimahullah, qui est un jurisconsulte shafi'i et qui est en même temps un exégète, mort en l'an 365, dit « L'origine du mot At-Tammu, c'est l'inhumation, c'est Ad-Dafn. At-Tam, c'est l'inhumation, c'est dafn, ou bien l'enfouissement. Et l'élévation en même temps,
C'est dafn et l'élévation. Il se dit de tout ce qui domine une chose et la couvre. On dit tamma hada shay ou shay an akhar, ça veut dire telle chose a dominé et elle a couvert l'autre chose. Donc il s'agit d'une catastrophe qui fait oublier tout ce qui l'a précédé comme épreuve. Alors, quelle est la signification de tamma? Les savants ont divergé là-dessus, mais toutes les explications ou les interprétations qu'ils vont donner se valent, puisque ça tourne toujours autour de la même chose. Donc certains vont dire qu'il s'agit du jour de la résurrection. Et on sait très bien que le jour de la résurrection, il est très long. Ça commence par la fin du temps, ça c'est suivi par le fait de sortir des tombes, c'est le grand, ensuite le rassemblement, le jugement, et ainsi de suite. Il y a plusieurs étapes, et toutes ces étapes-là, on les englobe sous l'appellation le jour de la résurrection. Même si, littéralement parlant, le jour de résurrection fait référence seulement au moment où les corps qui sont morts vont ressusciter, mais religieusement parlant, ça fait référence à tous les événements inhérents à ce qui se passe après la résurrection. Alors, l'imam al-Hassan, et comme je vous avais souvent dit, lorsqu'on dit al-Hassan, ça fait référence à, exclusivement, al-Hassan al-Basri, exclusivement. Imam al-Hassan dit qu'il s'agit de du deuxième souffle qui annonce la résurrection. Allah Azza wa Jal, justement au début de la sourate, il a parlé de Rajifa, tatba'uha Ar-Radifa. Rajifa, c'est celle qui fait trembler, donc c'est celle qui annonce la fin des temps, du temps. Et Radifa, celle qui lui fait suite, qui vient juste après, le deuxième souffle. Donc c'est celle qui ressuscite. Donc le Hassan al-Basri, il dit, il s'agit de Ar-Radifa, c'est-à-dire le deuxième souffle qui fait ressusciter les gens. Idha ja'at at-tammah al-kubra, lorsque le deuxième souffle arrive, qui annonce la résurrection. Pour d'autres savants, ils disent qu'il s'agit plus précisément du moment où l'on présentera à chaque personne son livre dans lequel ont été consignées toutes les œuvres, tous les actes qu'il a accomplis de son vivant. Donc c'est ça, et la preuve pour ceux qui ont opté pour ce choix-là, c'est qu'Allah ajoute tout de suite après, il dit « فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى » Le jour où l'homme se rappellera de ce qu'il a fait. Comment il va se rappeler? C'est lorsqu'il va voir son livre. Dès qu'il voit le livre qui a consigné tout, oui, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, les péchés comme les bienfaits. Donc là, il se rappelle de tout. Donc ça fait, pour ces savants-là, référence à ce moment bien précis. Et il y a un quatrième avis qui dit que ça fait plutôt référence au moment où l'on conduit les personnes vers leur demeure éternelle, où on conduit les négateurs vers l'enfer, où on conduit les croyants qui étaient justes vers le paradis. Pourquoi opter pour ce choix-là? C'est parce que les savants qui sont favorables à ce choix-là, ils disent, Allah Azza wa Jalla tout de suite après, il a dit « وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ Yara, l'enfer sera pleinement visible à toute personne qui voit. Donc quand est-ce qu'il sera visible? C'est au moment où on va conduire ses résidents vers lui. C'est là où l'enfer va être visible. Aussi bien par ceux qui vont le résider que par les croyants qui vont en être épargnés. Donc ensuite, Allah Azza wa Jal va donner des descriptifs de cette tamma. Il a déjà atti tamma sur le kubra. C'est quoi sa description? Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizati al-jahimu liman yara. Donc il a cité deux descriptifs par rapport à ce moment bien précis. Donc c'est le verset 35 et 36. Le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé, et l'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Deux versets, donc deux événements. Alors, lorsque l'homme va voir son livre, il verra dessus inscrit certains événements, ou certains actes, ou certaines œuvres, ou certaines paroles qu'il a fait, mais qui ont échappé à sa mémoire. Qui les a complètes, qui se sont effacés de sa mémoire. Pourquoi? Parce qu'il les a sous-estimés. Il a sous-estimé leur gravité. Parce que ici, Allah va parler beaucoup plus des égarés que des justes.
puisque tout de suite après il va dire وَبُرِّزَتْ الْجَحِيمُ, l'enfer sera exposé ou visible à ceux qui voient. Donc ici ça fait plus référence à celui qui va découvrir certains péchés qu'il a oubliés, qu'il a effacés de sa mémoire parce qu'il ne les considérait pas, il considérait que c'était des choses qui sont minimes, alors que dans la balance du jugement, il pesait très lourd. Allah Azza wa Jalla dit dans un autre endroit à ce propos, يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Le jour où Allah les ressuscitera tous, puis les informera de ce qu'ils ont fait, Allah l'a dénombré et ils l'auront oublié. Allah est témoin de toutes choses. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Ensuite, وَبُرِّزَتِ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. بُرِّزَتِ veut dire elle est rendue visible. Elle est rendue visible. Chez nos Obled, lorsque par exemple dans les événements du mariage, la fête du mariage, au départ on cache la mariée des convives, des invités. On la cache au départ. Et à un moment, on la sort, on l'habille bien, on la prépare, on la maquille. On connaissait un petit peu les traditions à ce niveau-là. Et à un moment, ils la sortent. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit « barzouha ». Barzouha, ça c'est un terme arabe pur, un terme coranique. Barzouha, ça veut dire ils l'ont rendue visible. Alors que pendant des heures et des heures, elle était cachée. On voyait que les invités entre eux, on voyait le mari qui était présent. Mais la femme, elle est cachée. Elle est dans une chambre avec des femmes et elle attend. Donc au moment où ils la sortent, il dit « barzouha ». Tzbriza. Et donc, burrizatil jahim, ça veut dire que cette jahim n'était pas visible, et à un moment, donc, on va l'exposer, on va le montrer. Liman yara. Liman yara, ça veut dire à toute personne qui a la capacité de voir. À toute personne qui a la capacité de voir. Donc, est-ce que ça va être visible que par ceux qui vont y résider? Ça veut dire les infidèles, les négateurs. Ou également par ceux qui croient en Allah Azza wa Jal et qui seront les résidents du paradis. En fait, il sera visible par les deux. Sauf que sa visibilité ou bien le ressenti qu'on aura lorsqu'on va la voir ne sera pas le même. Qu'il s'agisse de quelqu'un qui va y résider ou de quelqu'un qui va s'en écarter. Celui qui va aller dans l'enfer. Et parce que auparavant, il sait que sa balance elle est légère, la balance des hasanats elle est légère, donc il sait que sa destinée c'est dans l'enfer. Et d'autant plus qu'on va le tirer, on va le traîner pour le ramener vers l'enfer. Et donc là, on va le lui montrer l'enfer. Donc forcément, l'observation qu'il va faire de l'enfer, c'est une observation d'effroi, de peur, de crainte, de regret. Voilà pourquoi j'ai pas bien travaillé, j'ai pas bien œuvré pour ne pas mériter cela. Donc forcément, rien que l'observation de l'enfer est un châtiment en soi. En revanche, pour les croyants, ils vont voir l'enfer, mais leur observation ne va pas laisser le même sentiment que pour les infidèles. Ça va être plutôt le contraire. C'est une observation qui va les rassurer, parce que eux, ils savent qu'ils vont être conduits vers le paradis. Et ils vont voir l'enfer. Comment ils vont le voir? Ils vont le traverser rapidement. Et là, plusieurs hadiths, et même des versets, nous montrent que tout le monde va passer au-dessus de l'enfer. Ça veut dire qu'on va le voir. Sauf que les croyants vont le traverser rapidement, et donc ils ne seront pas touchés par les affres de cet enfer-là. Tandis que les infidèles, ils vont tomber dedans. Et selon les hasanats qu'on a su thésauriser pendant toute notre vie, on va passer plus ou moins rapidement. Et si les hasanats ne dépassent pas As-sayyi'at, c'est sayyi'at qui pèse plus lourd que les hasanats. Donc là, on va être attiré vers le fond, wal'iyadu billah, de l'enfer qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, wa im minkum illa wariduha, kana dhalika ala rabbika hatman maqdiya, thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc si personne ne sera épargné de passer par l'enfer, ça veut dire que chacun va l'avoir. Chacun va le voir.
Chacun va le voir. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc voilà, c'est ça, c'est là où va se faire le tri. Sauf que bien entendu, les premiers vont avoir de l'effroi, donc le regret et tout, et les croyants vont, c'est de l'assurance et dire heureusement que je n'ai pas été parmi les résidents de cet abîme. Alors, cette explication ne remet pas en cause un passage coranique de Surat al-Shu'ara, Surat les poètes, verset 90-91, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin » وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. Donc là aussi il parle de Tabriz. Donc il dit on rapprochera alors le paradis pour les pieux, on rapprochera le paradis pour les pieux et l'on exposera la fournaise aux errants, aux égarés. Donc ça, ce passage ne signifie pas que les croyants ne vont pas voir l'enfer, non, ils vont le voir comme j'ai dit, mais sauf que la vision n'est pas du tout la même. On rapprochera le paradis vers les croyants pour ne pas les laisser attendre l'entrée vers le paradis. Parce que imaginez, vous êtes loin du paradis. Le temps que vous allez passer à y entrer, déjà c'est trop. C'est trop. C'est-à-dire vous allez avoir hâte d'entrer tout de suite. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla ordonnera à ce qu'on rapproche le paradis des personnes qui vont y résider. Pour ne pas les laisser attendre, pour ne pas qu'ils perdent du temps. La récompense va venir immédiatement. Et on va montrer l'enfer de loin aux négateurs, elles vont y résider, mais déjà rien que de le fait de voir l'enfer, c'est déjà un châtiment en lui-même, en soi-même. Vous voyez parfois dans les films, et même dans la réalité, parce que les films parfois ils relatent la réalité de l'être humain, lorsqu'on veut apporter des supplices à quelqu'un pour le faire avouer un secret, qu'est-ce qu'on fait ? On lui ramène quelque chose qui brûle, ou de l'électricité de loin, et on lui montre. On lui montre le feu de loin, ou une cigarette de loin. Dès qu'il la voit, déjà, c'est un châtiment. Avant de le toucher, c'est un châtiment. Ou le pire, par exemple, tu mets en route une tronçonneuse de loin, et tu viens vers lui. Donc déjà là, c'est un châtiment, avant de le toucher. Ben, c'est exactement la même chose lorsque les négateurs verront l'enfer de loin. C'est déjà, le châtiment a déjà commencé. Mais les croyants, parce qu'ils savent qu'ils vont en être épargnés, donc là, ça leur donne une assurance et un contentement que heureusement j'ai échappé à ça. Et forcément, devant cette scène-là, est-ce que quelqu'un de nous, et nous supposons que si Dieu le veut, on est parmi les gens du paradis, et que tu vois justement l'enfer dans lequel vont rentrer les autres, est-ce qu'en ce moment-là, quelqu'un de nous pourrait regretter un instant qu'il a perdu à adorer Dieu, à accomplir une prière, à faire une invocation, à lire le Coran, à apprendre la religion? C'est-à-dire, tous ces instants-là, tu vas dire, heureusement que j'ai œuvré dans ce sens-là. Et si c'était à refaire, je multiplierais par des dizaines et des dizaines de fois l'effort que j'ai donné lorsque j'étais sur terre. Et c'est là où le regret, c'est un autre type de regret de dire, mais j'aurais dû faire mieux encore. Parce que le résultat, il est immense. Éviter l'enfer, rien que ça, éviter l'enfer, c'est déjà une belle récompense. Avant d'entrer dans le paradis, éviter l'enfer, c'est déjà une très bonne récompense. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمِ لِمَنْ يَرَى. الْجَحِيمِ, ça fait toujours référence au feu qu'on a mis dans un abîme profond, dans un trou, bien dans un fossé très très profond. Plus il est profond, plus le feu, bien entendu, encercle, plus il est ardent, parce que sa chaleur ne se dispatche pas, ça et là. Il reste contenu dans le trou. Alors, ce verset-là a été lu de différentes manières. Donc, « وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ». Il y a certains qui l'ont lu autrement, comme Abu Nahik al-Azdi, ou bien qu'on appelle aussi Uthman ibn Nahik, Abu Nahik al-Azdi, ou Uthman ibn Nahik. Certains l'appellent de cette manière, les autres l'appellent de l'autre. Et les savants ont divergé sur l'année de son décès. Certains ont dit qu'il est mort en 101 de l'Hijr, d'autres disent
qu'il est mort en 110 de l'Hijr. Et lui, c'était un des élèves de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, ainsi que de Abu Zayd al-Ansari, radiallahu anhu. Donc il a rapporté sur eux et il a appris d'eux. Donc c'est une référence au niveau des lectures coraniques. Donc lui, comment il lit ce verset ? « Wa barazatil jahimu liman yara » Et non pas « burrizat ». Lorsqu'on dit « burrizat », le sujet « mabni al-majhul »« al-fi'l mabni al-majhul » On a montré, on ne sait pas quel est le sujet, on a montré, donc c'est peut-être les anges qui l'ont montré, c'est Dieu qui l'a montré, on a, « wa burrizat ». Mais avec cette lecture « wa barazatil jahim », ça veut dire « le sujet devient al-jahim », la fournaise est apparue. La fournaise s'est apparue, est apparue à ceux qui peuvent voir. Donc ça, c'est une lecture qui est valide. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lui, il lit « وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ رَأَ » et non pas « لِمَنْ يَرَى ». « يَرَى » c'est conjugué au présent, ou le « رَأَ » est conjugué au passé. Et Ibn Mas'ud, s'il a lu comme ça, c'est qu'il a entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lire ainsi. Donc on peut... Ça, c'est deux manières. Rappelez-vous, dans un séminaire qu'on a fait sur les sept ahruf, les sept variantes du Coran, on a dit que l'ahruf, selon les savants, il y a sept manières d'avoir cette version du Coran, cette variante du Coran. Comme le fait, par exemple, de conjuguer le verbe en deux temps différents. Conjuguer le verbe en deux temps différents. Et ça, c'est un de ces exemples. Yara, ra'a. Ikrima, lui, il lit wa burrizatil jahimu liman tara. Liman tara. Il a le ta, c'est ta ou ta'nit. Ça fait référence à quelque chose de féminin. Et le féminin dans cette phrase-là, c'est le jahim. Le jahim, c'est féminin. Hein? Que veut dire, alors, comment, lorsqu'on dit wa burrizatil jahimu liman tara, c'est une lecture aussi valide. Soit Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit on montrera le jahim à ceux que tu vois ô Muhammad. Ça veut dire aux polythéistes que tu vois aujourd'hui qui essaient de te tuer, qui te dénigrent, qui te combattent. Donc on va leur montrer l'enfer. Wa burrizatil jahim liman tara, à ceux que tu vois aujourd'hui. Donc là aussi c'est correct. Si on dit, le verbe revient à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, si on dit « Oborizati al-jahim liman tara », le verbe aussi peut revenir « al-jahim » aussi. Ça veut dire que le jahim elle-même, parce que c'est féminin, le jahim elle-même, elle voit ceux qui vont résider dedans. Elle voit ceux qui sont, en tout cas, rassemblés le jour du jugement. « Oborizati al-jahim liman tara » et le verbe de « tara » ici, c'est « al-jahim ». Et bien entendu, ce qui prouve justement que le jahim, elle aussi, il peut voir, c'est qu'Allah Azza wa Jal dit dans une sourate, sourate 25, versets 11 et 12, « وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا » إِذَا رَأَتْهُمْ, donc le jahim, lorsqu'elle les voit. Traduction, nous avons préparé pour quiconque qualifie l'heure de mensonge une flamme brûlante. Lorsque de loin elle les voit, lorsque la flamme brûlante les voit, lorsque le feu les voit, lorsqu'elle les voit de loin, ils entendront sa fureur et ses pétiments. Donc vous voyez, burrizat wa barazat, al-jahim liman yara, al-jahim liman ra'a, al-jahim liman tara. Tout ceci sont des lectures qui sont valide, et ça vous montre aussi la richesse avec laquelle le Coran a été révélé. Et c'était à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah Azza wa Jal a révélé cette version du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril, lui a dit dans ma communauté il y a des vieillards, il y a des dames, il y a des enfants, il y a différentes cultures et j'ai peur que le Coran soit difficile à eux, pour eux. Donc demande à Allah Azza wa Jal de me donner une deuxième variante. Et Allah Azza wa Jal lui a demandé donner une deuxième variante, ensuite une troisième, ensuite une quatrième, jusqu'à sept variantes. Et ces variantes-là, c'est ces petits changements qu'on peut trouver, ça et là, mais le sens reste toujours le même. Et c'est une richesse qui a été donnée au Coran. « Fa'amma man tara
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Donc là, Allah Azza wa Jalla va nous parler de deux catégories de personnes pendant At-Tama, le jour du jugement. Il va parler de deux catégories, ceux qui vont aller en enfer et ceux qui vont aller au paradis. Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Donc voici la première catégorie. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. طَغَى, ça veut dire il a dépassé les limites. Lorsqu'on dit طَغَى الْمَاء, ça veut dire il est sorti de son cours. Le cours d'eau, lorsque l'eau sort, on dit طَغَى الْمَاء, il est sorti de son cours. Il est sorti de la fleuve, du fleuve, il est sorti de la plage, donc il a dépassé les limites connues au niveau de la plage, donc il les a dépassées. C'est, donc là, on parle de طَغَى الْمَاء, et lorsqu'il provoque d'ailleurs des inondations. Donc en fait, c'est par métaphore. On dit طَغَى الْمَاء chez les Arabes, l'eau a dépassé ses limites habituelles. On impute justement ce verbe-là à toute personne qui dépasse les limites du convenable. Le convenable par la raison et le convenable par la révélation. Donc, طَغَى, selon la religion musulmane, c'est toute personne qui ne respecte pas ce que lui dicte une raison saine, ou quelqu'un qui ne respecte pas ce que lui dicte les décrets qu'Allah Azza wa Jal a descendu dans la révélation. Donc là, c'est taurien. Donc c'est dépasser les limites, dépasser le juste milieu qu'Allah Azza wa Jal a tracé ou que la raison qu'Allah Azza wa Jal a créée a tracé. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ. Là, Allah Azza wa Jal n'a pas dit فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَأَحَبَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. S'il avait dit ça, ça aurait été très grave. Celui qui a dépassé les limites et qui a aimé la vie présente. Il n'a pas dit وَأَحَبَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Il a dit وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Quelle est la différence? آثَرَ, c'est toujours privilégier une chose par rapport à une autre. S'il avait dit أَحَبَّ, ça veut dire toute personne qui a aimé la vie présente. Mais tout le monde aime la vie présente. Heureusement, Allah Azza wa Jalla a dit آثَرَ, ça veut dire il a privilégié entre deux choses, ça veut dire que entre deux choix, il a privilégié un par rapport à l'autre. Et c'est pour ça que l'Ithar, on dit, lorsqu'on ne peut pas concilier deux choses, ou ce qui découle de deux choses, et qu'on privilégie une par rapport à l'autre, là on parle de Athar. Par exemple, lorsque j'avais, supposons, j'avais préparé un plat pour manger. D'accord? Et le plat, il est assez grand. Et tu viens et je te dis, viens manger avec moi. Est-ce que là, je vais te dire, je t'ai préféré par rapport à moi? Non. Je ne vais pas dire, je t'ai préféré par rapport à moi. Pourquoi? Parce qu'on peut manger tous les deux du même plat. En revanche, si j'ai très peu de nourriture qui ne me suffit pas, et toi tu viens, tu as faim, et je te dis, je te donne cette nourriture, et moi je reste sans nourriture. Là, on parle de « athartuka ala nafsi ».« Athartuka ala nafsi ». J'étais privilégié par rapport à moi-même. Donc, c'est lorsque deux choses ne peuvent pas se concilier toutes les deux. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que là, on a deux choses. Allah Azza wa Jalla parle de l'hayat dunya, la vie d'ici-bas. C'est quoi son opposé? C'est l'au-delà. D'accord? Donc, si Allah Azza wa Jalla a dit, quant à celui qui a aimé la vie d'ici-bas, ça, on est tous perdus, parce que chacun de nous aime la vie d'ici-bas, parce que Allah Azza wa Jalla a ancré en nous l'amour de la vie d'ici-bas. Sinon, on n'aimerait pas manger, boire, lorsqu'on tombe malade, on va chercher à se soigner, tout ça, parce qu'on aime la vie, on aime vivre. Et on travaille pour gagner un peu d'argent, et on gagne plus pour avoir plus d'aisance, plus de bienfaits, et ainsi de suite. Mais en revanche, lorsque ce qui découle de la vie d'ici-bas contredit ce qui découle de la vie de l'au-delà, et que tu privilégies la vie d'ici-là par rapport à la vie de l'au-delà, c'est là où tu es concerné par ce verset. Par exemple, tu veux profiter d'une jouissance terrestre d'ici-bas, mais cette jouissance-là va à l'encontre d'un principe religieux. Dieu te dit ça c'est interdit, et toi tu veux toucher cette chose ou prendre cette chose. Et tu vas dire, ben je laisse tomber ce que m'a dit Dieu, ce que m'a dit ma religion, et je suis ma passion.
Donc là, tu as privilégié la jouissance d'ici-bas par rapport à l'au-delà. Mais lorsque tu peux concilier les deux, il n'y a pas de problème. Tu veux manger bien et sans gagner ton argent d'une manière illicite, sans commettre de péché, tout en respectant tes obligations religieuses. Il n'y a pas de problème là-dessus. L'islam ne t'en voudra pas. Donc parce que tu es arrivé à concilier l'amour d'ici-bas et l'amour de l'au-delà, de sorte que tu n'es pas tombé dans une contradiction. Le problème, c'est lorsque tu tombes dans une contradiction. Parce que, à la base, notre religion ne nous interdit pas d'aimer les jouissances terrestres ou d'essayer d'acquérir certaines jouissances terrestres dès lors qu'elles ne s'opposent pas aux principes religieux. Et ceci, on le trouve dans le conseil qu'a prodigué les fidèles de Banu Israël à Corée. Lorsque Allah nous trace ça justement dans le Coran, lorsqu'ils lui ont dit wabtari fima ataka Allahu ad-dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Donc il n'y a pas une au dépend de l'autre. Donc ils lui ont dit et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, l'argent, la richesse qu'il t'a donné, recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, c'est-à-dire l'au-delà, et n'oublie pas ta part dans cette vie. Donc tu as une part dans cette vie où tu as le droit de l'acquérir. Et n'oublie pas ta part dans cette vie et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous avez parfois certains soufis qui, pour inciter les gens à aimer l'au-delà, ils essaient de leur faire détester complètement l'ici-bas. Et ça, c'est une procédure qui n'est pas équilibrée dans l'éducation du musulman. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il demandait protection auprès de Dieu contre la pauvreté, par exemple. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Je demande protection auprès de toi contre la mécréance et contre la pauvreté. Ça veut dire, si ce n'est pas la pauvreté, ça veut dire c'est la richesse, plus ou moins grande, bien entendu. Donc jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a essayé de faire détester complètement la vie d'ici-bas aux musulmans. Non, ce qu'il a essayé de faire, et ce qu'il a fait, c'est même pas essayé, et ce que le Coran nous ordonne de faire, c'est de concilier entre les deux, mais en cas d'opposition, privilégier l'au-delà, privilégier le principe religieux par rapport à la jouissance terrestre. Voilà. Mais si on peut, ni'mal malu salih, li rajuli salih, il est béni, l'argent béni, lorsqu'il est entre les mains d'un homme béni. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, zakat, lorsqu'on donne zakat, c'est qu'on est riche. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Dieu aime plus la main qui donne plutôt que la main qui reçoit, ça veut dire la main qui donne, ça veut dire qu'elle est riche. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a suivi, qui a couru derrière certaines jouissances terrestres. Donc le problème ne se pose pas. Et c'est pour cela que l'islam ne demande pas à ce qu'on tombe dans le monachisme, à se retirer de la société, à ne pas travailler, à ne rien faire et dire je me consacre exclusivement à la religion et je ne profite de rien de la vie. Même par exemple le vœu de chasteté qu'on voit chez d'autres religions, chez nous ça n'existe pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est bien marié et il a refusé à ce qu'un musulman se refuse de se marier sous prétexte qu'il veut se rapprocher de Dieu. Sous prétexte qu'il veut se rapprocher de Dieu. Et d'ailleurs, les versets qui parlent de l'amour qu'on porte à l'ici-bas et l'amour qu'on porte à Dieu, c'est des versets qui sont très précis. Regardez ce passage dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dans surat At-Tawbah dit قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, votre tribu, vos clans, les biens que vous gagnez, donc là il parle des jouissances terrestres, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures, les maisons, les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, que son messager, et que la lutte dans son sentier, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Là c'est une menace. Donc cette menace-là,
elle s'adresse à ceux qui ont privilégié ces choses-là par rapport à l'amour de Dieu. Mais ceux qui ont aimé ces choses-là, mais Allah Azza wa Jal, ils l'aiment plus. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui croient aiment encore plus au-dessus Dieu, plus que toute autre chose. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ça veut dire qu'ils aiment les autres choses, mais par rapport à Dieu, l'amour, il est encore plus fort. Donc c'est ça ce que nous demande l'islam, c'est de faire prépondérer l'amour de Dieu, l'amour du prophète, l'amour de l'engagement pour dans le sentier d'Allah, faire prépondérer cet amour par rapport à l'amour des richesses terrestres. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. الْمَأْوَى. Le terme الْمَأْوَى vient du verbe awa, awa. Et awa, ça veut dire il est revenu. Raja'a. Awa, ça veut dire raja'a. L'ma'wa, ça fait référence à la demeure à laquelle on revient après avoir passé une journée à travailler. Tu sors le matin, tu travailles toute la journée et tu reviens à ta demeure. Donc on dit awa il al-bayt. Il est revenu à sa demeure. Et c'est là où les Arabes ont le verbe là de revenir. Ils l'ont donné, ils l'ont attribué à l'endroit vers lequel tu reviens. Et c'est devenu al-ma'wa, l'endroit auquel tu reviens pour trouver ta tranquillité. Que ce soit après une journée de travail ou que ce soit après un voyage, on a toujours ce besoin de revenir chez soi. Même si tu vas chez la personne que tu aimes le plus, ta famille et tout, tu restes chez eux 3 jours, 4 jours, 1 mois. Mais là où tu sens le plus de plaisir, c'est lorsque tu rentres chez toi. Tu dis, il n'y a pas mieux que chez moi. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle Al-Ma'wa. Et là, bien entendu, lorsqu'on parle de Al-Ma'wa pour Jahannam, ça ne veut pas dire qu'ils aiment Jahannam. C'est pour leur dire, non, c'est votre demeure finale. Hein? C'est pas pour dire qu'ils vont l'aimer ou trouveront leur tranquillité dedans. C'est seulement que ce terme littéraire a été donné et attribué à toute demeure dans laquelle on réside. Donc ça c'est la première catégorie. Amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa. La deuxième catégorie, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'ani al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. وأما من خاف celui qui craint مقام ربه. Dans la langue arabe, المقام, ça veut dire quoi? المقام, c'est l'endroit où on se met debout. C'est l'endroit qu'on a occupé. On l'appelle المقام. الله عز وجل dit واتخذوا أو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. À côté de la Kaaba, il y a مقام إبراهيم. مقام إبراهيم, c'est l'endroit dans lequel on va trouver les traces de pieds de Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il était en train de construire le Kaaba, il a laissé des traces sur une pierre qui était argileuse, donc tendre, et après il s'est solidifié et on l'appelle maqamu Ibrahim, l'endroit où Ibrahim était debout. N'est-ce pas? Là ici on parle de khafa maqama rabbihi, maqam de son Seigneur. Que veut dire ce terme-là? Là les savants ont divergé en donnant deux explications. Certains exégètes ont dit, en fait ici, lorsqu'on dit maqama rabbihi, en fait c'est la station qu'occupera le fidèle ou l'infidèle lorsqu'il sera présenté devant Dieu. Maqama rabbihi, ça veut dire un jour tu vas te présenter devant Dieu, tu vas être debout devant Allah Azza wa Jal pour qu'il te juge. Cet endroit où tu vas être debout, c'est ça ce qu'on appelle maqam. Amma man khafa maqama rabbihi, ça veut dire celui qui craint l'endroit où il va. Lorsqu'on va dire l'endroit, ça fait aussi le moment. Ça fait référence aussi au moment. Celui qui craint le moment et l'endroit où il comparaîtra devant Dieu. Vous voyez, c'est ça la signification. Celui qui craint le moment où il va comparaître devant Dieu. C'est ça, maqama rabbihi, l'endroit où il va se mettre debout devant Allah Azza wa Jal. Et c'est ça la traduction que vous allez trouver. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur. C'est comme ça qu'ils ont interprété khafa maqama rabbihi. Il craint
il redoute de comparaître devant son Seigneur. Et ceci, on peut le trouver dans certains, dans un verset, notamment lorsque Allah Azza wa Jalla dit « Watlu alayhim naba'a Nuh » raconte-leur l'histoire de Nuh. « Idh qala li qawmihi, ya qawmi, in kana, kabura alaykum maqami » Awa le maqam. « In kana kabura alaykum maqami, wa tadhkiri bi ayatillah, fa'ala Allahi tawakkalt » Donc, rappelle-leur l'histoire de Noé lorsqu'il dit à son peuple, « Ô mon peuple, si, maqami, ça veut dire quoi ici ? Si ma résidence avec vous, si ma résidence parmi vous et mon rappel, le rappel que je vous fais relatif à, au signe d'Allah Azza wa Jal, vous pèse lourd, si ma présence parmi vous, c'est ça maqami, ma présence avec vous vous pèse lourd, et le rappel que je vous fais vous pèse lourd, alors sachez que je place ma confiance en Allah. Et après, rassemblez-vous ainsi que vos idoles pour m'attaquer si vous voulez. » Donc vous voyez ici le maqam, on ne peut l'expliquer que par ma résidence avec vous, ma présence avec vous. Donc c'est ça le sens qu'ont donné certains exégètes. Celui qui craint sa présence le jour du jugement devant Allah Azza wa Jalla, sa comparution le jour du jugement devant Allah Azza wa Jalla. Ça c'est la première interprétation. La deuxième interprétation qui a été donnée par d'autres exégètes et pas des moites, c'est que les Arabes, ils disent que chez les Arabes, le maqam c'est l'endroit où tu te dresses, où tu t'assois, où tu te mets debout, où que tu occupes, voilà, l'endroit que tu occupes. On l'appelle al maqam. Mais lorsqu'on dit chez les Arabes, ahtarimu maqama hadha al insan. Ça veut dire quoi? Ahtarimu maqama hadha al insan. Ça veut dire je respecte la valeur de cette personne. Donc on parle plus de l'endroit où il est debout. Tu peux pas dire je respecte l'endroit où se dresse cette personne. Ahtarimu maqama, ça veut dire je respecte sa grandeur, je respecte sa valeur. D'accord? Donc les Arabes imputent l'endroit à celui qui l'occupe. Il impute l'endroit à celui qui l'occupe. Donc pour ceux qui ont opté pour ce choix-là, khafa maqama rabbi, ça veut dire il a craint son Seigneur. On a imputé l'endroit à celui qui l'occupe. Ça, pour rapport aux êtres humains. Par rapport à Allah Azza wa Jalla, donc celui qui a craint Allah directement. Quant à celui qui a craint Allah. Et chez les Arabes, ils disent, maqamuhu azim. Qadruhu, ça veut dire qadruhu azim. Maqamuhu azim. Et donc ça aussi, c'est une signification qui se vaut en comparaison avec les autres. Et c'est dans le même sens qu'ils ont donné à deux autres versets qui parlent de le maqam. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً dans surat al-Rahman. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً dans un autre verset. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِدْ. Ça veut dire ceci sera pour celui qui m'a craint et qui a craint la menace que j'ai faite. Alors, regardez maintenant, Allah Azza wa Jalla a parlé donc de deux catégories. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْجَحِيمِ يَا الْمَأْوَى أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Donc vous voyez, pour le premier, il a cité deux caractéristiques pour lesquelles il va mériter l'enfer. Et pour le deuxième, il a cité deux caractéristiques pour lesquelles il va mériter le paradis. Le premier, طَغَى. Donc il a dépassé les limites. Wa athar al hayat ad dunya, il a privilégié la vie d'ici-bas. L'autre, khafa maqam rabbi, il a craint Allah ou il a craint sa comparution devant Allah azza wa jal, khafa maqam rabbi. Wa naha nafsa 'ani al hawa, il a empêché sa personne de suivre sa passion, de suivre la passion, parce que la passion, lorsque tu donnes les rênes à ta passion, elle te guide loin du chemin d'Allah azza wa jal. Et elle te laisse sourd devant l'appel de Dieu. Et elle te laisse aveugle devant les signes de Dieu. Donc, en fait, on trouve qu'il y a une opposition parfaite entre les deux. Ici, il va dire Amma man tara. Ici, il va dire Amma man khafa maqama rabbi. Quel est le lien? L'un, c'est l'opposé de l'autre. Tara, c'est dépasser les limites.
Khafa maqam rabbih, craindre Allah. Parce que celui qui craint Allah ne dépasse pas les limites. Celui qui craint Allah ne peut pas dépasser les limites. Il reste dans les limites du convenable. Donc vous voyez qu'il y a, même si on a l'impression dans l'apparence que ça ne s'accorde pas, mais non, on voit qu'il y a une opposition parfaite, parce que l'une conduit à l'autre. Donc, tara. Ensuite, la deuxième caractéristique, athara al-hayat ad-dunya. Il a privilégié la vie d'ici-bas. Dans l'autre, naha an-nafsa 'anil hawa. Il a empêché sa personne, il a empêché son âme de suivre sa passion. Parce que celui qui empêche sa passion de le guider, il ne privilégiera jamais l'ici-bas par rapport à l'au-delà. Parce que justement, c'est la passion qui te pousse à donner plus d'importance à l'ici-bas que l'au-delà. Donc, vous voyez, en fait, Allah Azza wa Jal, c'est comme s'il est en train ici de... C'est le cas, c'est pas comme si. Allah Azza wa Jal est en train de nous dire, voilà ce que vous devez faire pour ne pas être dans l'autre catégorie. Voici les caractéristiques dont vous devez vous imprégner pour que vous ne tombiez pas dans les défauts de ceux qui méritent l'enfer et qui risquent de devenir les résidents de l'enfer. Donc vous voyez qu'il y a un parallèle entre eux, une opposition parfaite entre les deux. Ensuite, donc là, je passe à la dernière partie de cette sourate. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Toute la sourate, depuis le départ, elle parle de sa'a, sans la citer directement. Puisqu'il a dit, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَ الرَّادِفَ, on a dit, fait référence à sa'a. Il parle des négateurs de l'au-delà. يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ, allons-nous revenir vers la vie antérieure? Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie après notre mort. Donc ça parle de sa'a et ce qui va en suivre. Mais sauf que là, il va la citer d'une manière claire. Donc, tout ce dont on a parlé, et même Pharaon, il a démenti ce que lui a dit Moussa alayhi salam. Il n'a pas voulu l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il n'y a pas de résurrection, donc il peut dépasser les limites tant qu'il est sur terre. Et après, donc, Allah Azza wa Jalla va dire Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Il t'interroge au sujet de l'heure, quand va-t-elle jeter l'ancre? Ça, c'est une belle traduction. Ayana Mursaha, quand elle va jeter. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de Waljibala à Arsaha, on a dit que c'est une métaphore qui s'inspire de Marsa As-Safina, du moment où le navire accoste dans le port. Donc, ici, c'est ceux qui ont fait sa traduction, elle est belle. Donc, au sujet de l'heure, quand va-t-elle jeter l'ancre? En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il leur parlait de sa'a, que eux, ils lui posaient cette question. Ayyana mursaha, l'heure dont tu parles, quand est-ce qu'elle aura lieu? Cette question, ou bien cette interrogation, c'est pas une interrogation dans le sens où ils cherchent réellement quand est-ce que viendra l'heure. Parce que lorsque tu dis à quelqu'un, quand est-ce que le train va venir? C'est que tu sais que bien qu'il y ait un train ou qu'il va venir. Et tu attends sa venue. Quand est-ce que le train va venir? Eux, ils disent, quand est-ce qu'aura lieu l'heure? Or, eux, ils ne croient pas à l'heure. Donc, forcément, leur interrogation, c'est une interrogation de moquerie. Et une interrogation, c'est pour ça qu'il y a plusieurs formes d'interrogation. C'est une interrogation de moquerie et une interrogation de défiance. Pourquoi? Une moquerie, c'est quelque part, tellement tu nous as parlé de cette heure-là, ben, on la voit pas venir. Quand est-ce qu'elle va venir? Donc, ça, c'est une moquerie. La défiance, si tu dis que cette heure va venir, ben qu'elle vienne tout de suite. On te défie, montre-la nous. Dis-nous quand est-ce qu'elle va arriver, tant qu'on est vivant. Et on va l'attendre, tu vas me dire d'ici une semaine, d'ici un an. Ben on va attendre et on va voir si ça va arriver ou pas. D'accord? Donc c'est une interrogation de moquerie et de défiance. Et défiance parce qu'ils veulent qu'elle arrive vite, si c'est le vrai. Et Allah Azza wa Jalla d'ailleurs le dit souvent dans le Coran, il en fait référence lorsqu'il dit وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. Et quand sais-tu peut-être que l'heure est proche, ceux qui n'y croient pas cherchent à la hâter. Ils te disent ben ramène-la à cette heure, parce que moi ils n'y croient pas de toute façon. Donc là c'est une défiance, d'accord? Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, quand va-t-elle jeter
l'encre. En fait, là aussi, c'est une moquerie. C'est comme s'ils lui disent... c'est comme si quelqu'un dit à des personnes, ou moi, ils ne veulent pas le croire, il leur dit, il y a un navire qui va venir, un navire qui va ramener des biens, et ainsi de suite. Ouma, ils vont lui dire, ben, quand est-ce que ton navire va accoster? Ouma, là, ils n'ont pas vu le navire. Oui, lorsqu'il dit quand est-ce qu'il va accoster, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont vu, ils vont dire, ben, je le vois, et quand est-ce qu'il va accoster? Ah non, je ne crois même pas qu'il va venir. Mais pour me moquer encore plus, je ne vais pas lui dire, où est ton navire? Je vais lui dire, quand est-ce qu'il va accoster? Parce que s'il n'existe pas, il n'accostera jamais. Et donc, c'est ça, là, un autre style de moquerie. Et regardez la grandeur du Coran, c'est que même lorsque les moqueries des négateurs sont bien faites, Allah Azza wa Jalla les relate exactement comme ils les ont dit. Parce que nous, on a toujours cette tendance. Si tu as un contradicteur, ou tu as quelqu'un avec qui tu as une opposition, ou quelqu'un avec qui tu as eu un débat houleux, une polémique, et tu as dit ça, il a dit ça, tu as dit ça, il a dit ça. Et suppose tu veux relater ce qui s'est passé à quelqu'un d'autre. Tu vas toujours embellir ce que toi tu as dit, et tu vas toujours dévaloriser ce que l'autre a dit. Ou même si l'autre était intelligent dans une critique, ou là très moqueur, tu vas déformer ce qu'il a dit, pour que celui qui t'écoute ne dise pas, ah, là il a marqué un point sur toi. D'accord? On a toujours cette tendance. Mais là, Allah Azza wa Jalla, non. Il relate exactement ce que disent les autres. Même si dans l'apparence, on a l'impression qu'ils ont marqué un point au niveau de la rhétorique seulement. Mais dans le fond, bien entendu, ils n'ont marqué aucun point. Ils sont complètement dans la débauche. D'accord? Mais ça, c'est la fidélité avec laquelle le Coran transmet les paroles des autres. Et ça, on trouve par exemple dans Sourate Yassine. قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. Voulez-vous qu'on nourrisse celui que Dieu peut nourrir? Puisque vous croyez à Dieu, ben dites-lui de le nourrir. Pourquoi vous nous demandez de nourrir les pauvres? Vous voyez, cette parole-là nous paraît logique. Veux-tu que je nourris Dieu, tu me demandes de nourrir quelqu'un alors que toi-même tu peux le nourrir. Vous allez dire, ben, dans la formation, dans la forme de cette rhétorique, vous dites qu'elle est logique. Et c'est pour cela que les négateurs, les provocateurs, les négateurs de l'islam, ou les détracteurs de l'islam, ils ont toujours, lorsqu'ils parlent, ils construisent toujours une rhétorique qui se base sur des éléments logiques. Enfin, qui se base. Qui utilise des éléments logiques. Mais le problème, c'est que tu dis, oui, ça c'est logique ce qu'il a dit. Oui, c'est vrai ça, c'est vrai ça, c'est vrai ça. Mais le problème, lorsque tu vas à la base, tu trouves qu'il n'y a rien d'illogique. Ça ne se pose pas, on n'a pas posé ces éléments de rhétorique sur une base solide. Et souvent, ceux qui tombent dans le piège, ils se limitent à regarder les éléments de la rhétorique, les éléments de l'argumentation. Mais ils ne voient pas la base sur laquelle on a posé cette argumentation. Ça, j'en parlerai, Inch'Allah, peut-être dans le vendredi prochain ou celui qui lui suit. Alors, puisqu'on parle de comment Shaitan déroute les gens du savoir, c'est que Shaitan, parfois, il nous fait douter de certaines vérités claires et nettes. Il nous fait douter de certains éléments de connaissance, alors qu'on était sûr, et beaucoup de musulmans tombent dans ce piège-là. Pourquoi? Parce que celui qui tombe dans le piège, il voit les éléments logiques de la rhétorique, mais il ne voit pas la base sur laquelle on a posé ces éléments. S'il n'y a pas de base, il n'y a pas de fondement, toute la rhétorique tombe. Tu lui dis, avant d'aller loin avec toi dans la discussion, moi je veux parler de la base. Quels sont les critères sur lesquels on commence déjà à discuter? Mais dès que tu commences à suivre l'enchevêtrement et la succession des logiques, tu vas trouver qu'il est logique dans ce qu'il dit. Et forcément, toujours lorsqu'on présente une opinion, on essaie de la présenter sous la meilleure forme et avec les meilleures des argumentations. Et il y a toujours une part de vérité dans les argumentations qu'on dit, mais il faut toujours revenir à la base. Est-ce que cette argumentation est ancrée sur de bonnes bases ou pas du tout? Donc eux, c'est dans ce sens-là qu'ils se moquent. Et regardez, يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Ça vous nous fait rappeler quoi? والجبال أرساها. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le balagha. Le balagha, c'est la science de la rhétorique. Ce qu'on appelle الجناس. الجناس, c'est que dans la même sourate, tu vas trouver deux mots qui se ressemblent, mais venus dans deux contextes différents. Là, il a dit les montagnes, je les ai ancrées, arsaha.
Et ici, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle Al-Jinas. Et ça, ça donne de la beauté à un texte ou à une parole. Et le Coran regorge avec ce genre de règles, de rhétorique. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. Quelle science en as-tu pour le leur dire? Il t'interroge sur l'heure, quand est-ce qu'elle aura lieu. Quelle science en as-tu pour le leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. Comment, deux manières avec lesquelles on peut interpréter ce verset. La première manière qui saute tout de suite à l'esprit, en quoi serais-tu au courant de son terme? En quoi serais-tu au courant du terme de l'heure? C'est pas ta mission. Allah Azza wa Jalla t'a donné une mission, c'est d'avertir les autres de l'arrivée de l'heure. C'est d'informer sur ce qui va passer pendant l'heure et après l'heure et pendant tout le cours de l'heure. Donc c'est ça ton rôle. Mais ton rôle n'est pas de dire le moment où il va venir. C'est comme lorsque tu as quelqu'un qui est spécialiste d'une chose et tu viens, tu le questionnes sur une autre chose. Tu dis, mais de quoi je vais me mêler, moi? De quoi je vais me mêler, moi? Ça ne me concerne pas, ça. Donc, fima anta min dhikra. C'est pas à toi de dire quand est-ce qu'elle aura lieu. C'est pas ta mission. Pourquoi? Parce que le terme de l'heure, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui le sait. Il l'a gardé pour lui. Et ça, ça fait partie des cinq... ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé dans un hadith de Bukhari, mafatihul ghaibi khamsa, les clés de l'inconnaissable, et sont cinq, et qu'on trouve dans un verset coranique dans lequel Allah dit inna Allaha indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Voici les cinq clés du méconnaissable. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah et c'est lui qui fait tomber la pluie. Donc la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Ça, c'est le premier inconnaissable. Personne ne peut le savoir. Et il fait tomber la pluie salvatrice. Personne ne peut savoir quand est-ce que tombera la pluie. Vous allez me dire, oui, mais il y a la science de la météorologie. La météorologie se base sur des éléments avant-coureurs de la pluie. Tu vas dire, vu que le vent à telle vitesse, ou qu'il a telle orientation, ou que l'hygrométrie dans le ciel est ceci, ou que la pression atmosphérique est là, donc on prévoit dans les trois jours que la pluie va tomber annoncée. Pourcentage de confiance, je ne sais pas comment on l'appelle, 70%, 80%. Et le jour arrivé, tu ne trouves pas de pluie, rien du tout. Et ou ceux qui ont les jardins, ils savent ça très bien. Ceux qui ont les jardins, ils attendent dans leur annonce la pluie et rien n'arrive. Donc ça, c'est, mais d'ici un mois, dis-moi est-ce qu'il va pleuvoir ou pas. Ou dis-moi quelle est la pluviométrie dans l'année, ici en France. C'est impossible. Donc ça, c'est quelque chose qui appartient exclusivement à Allah Azza wa Jal. Wa ya'lamu ma fil arham. Ici, ce qu'il y a dans les matrices. Vous allez me dire, oui, mais maintenant, on peut savoir si c'est un garçon ou une femme. Mais avec quoi? Mais avec l'échographie. Oui, mais avant que l'on puisse accomplir l'échographie, lorsque l'œuf vient de se former, spermatozoïde avec un ovule. Il vient de se former l'œuf. Tu peux savoir si c'est un homme ou une femme. Tu peux voir et regarder. Non. Il faut vraiment que tu extrais une cellule pour aller voir est-ce qu'il y a le chromosome Y ou le chromosome XY, XX, pour dire c'est un homme ou une femme. Donc, au moment où il y a cette fécondation, à partir de ce moment-là, il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il y a. Et d'autant plus que le verset, il dit, il y a le ma fil arham, ce qu'il y a dans toutes les matrices. Donc tu peux, toi, aujourd'hui, avec la science, l'échographie, savoir ce qu'il y a dans le ventre de cette femme, parce qu'il est à 4 mois, ou celle-là, il est à 9 mois, ou celle-là, peut-être, il est à 2 mois, tout ça, tu as fait... Mais dans cette femme qui, via la fécondation, vient d'avoir lieu, tu ne sais pas. Et c'est la majorité des femmes dont tu ne peux savoir ce qu'il y a dans leur matrice. Donc ça reste aussi, bien entendu, quelque chose qui est exclusif à Allah. Il sait ce qu'il y a dans toutes les matrices du monde, des femmes du monde. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَتْكْسِبُ غَدَا. Aucune personne ne sait, aucune âme ne sait ce qu'il va acquérir demain. Tu ne sais pas ce que tu vas acquérir demain. Est-ce que tu vas voyager? Est-ce que tu vas faire un accident? Est-ce que tu vas tomber malade? Est-ce que tu vas... Même si tu as un train de vie tracé, mais ce n'est pas pour autant que tout est sûr dans ce que tu vas faire le lendemain.
Tu te réveilles, tu es malade, tu peux pas aller. Tu te réveilles, il y a le Covid qui a sévi dans la société, on va faire un confinement. Personne ne sait. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tu ne sais pas où est-ce que tu vas mourir. Est-ce que tu vas mourir sur ton lit? Est-ce que tu vas mourir dans un accident en route? Est-ce que tu vas mourir dans un bled parce que tu as passé tes vacances là-bas? Est-ce que tu vas mourir à la Mecque parce que tu es en train de faire le pèlerinage ou bien l'Umra? Personne ne sait. Ça, ce sont مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ, les clés de l'inconnaissable. Elles sont entre les mains de Allah tabaraka wa ta'ala. Et on fait partie le terme de l'heure. Donc ça, c'est la première interprétation. فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَى. La deuxième interprétation, pour la comprendre, il faut lire le verset qui précède et ce verset-là, et s'arrêter à un moment bien précis. Je relis. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيم أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. Vous n'avez jamais entendu cette manière de lire. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيم. J'arrête. فِيم أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. Il te questionne à propos de l'heure. Quand est-ce qu'arrivera son terme? D'accord? Où es-tu par rapport à ça? Fim, où es-tu par rapport à ça? Tu fais partie de ces signes. Anta min dhikraha. Tu fais partie de ces signes avant-coureurs. Et là, le sens, il change complètement. Le sens, il change complètement. Fim, ça veut dire en quoi tu es concerné? En quoi tu vas leur répondre? Et ça s'arrête là. Et après, Allah lui dit, tu fais partie des signes avant-coureurs de cette heure. Anta min dhikraha. Et ceci est corroboré par un hadith rapporté par Al-Bukhari sur Abu Hurairah radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bu'ithtu ana wassa'ata kahatayn. » J'ai été envoyé avec l'heure comme ces deux doigts. Et il a fait signe de l'index et du majeur. Ça veut dire que entre moi et l'heure, il n'y a que la petite différence qui sépare l'index du majeur. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le début des êtres humains c'est là, d'accord, c'est là, mon arrivée c'est là, et la fin des temps c'est là. Donc il reste, donc cette distance-là, regardez par rapport à ce qui est passé, c'est tout petit par rapport à ce qui est déjà passé. Ou ça veut dire, nous sommes très proches, comme sont proches le doigt et le majeur. Donc deux significations. J'ai été envoyé avec l'heure comme ces deux doigts, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. Donc ça veut dire que l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un signe avant-coureur de la fin des temps. اقتربت الساعة وانشق القمر. Donc là, avec ce hadith-là, donc là, on peut lire le verset autrement et le comprendre autrement. Tu fais partie des signes avant-coureurs de la fin des temps. إلى ربك منتهاها. المنتهى. Ça veut dire le terme. Le muntaha, c'est le terme. Donc, ça veut dire son terme revient. La connaissance de son terme revient à Allah Azza wa Jal. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Tu n'es qu'un avertisseur ou là que avertisseur de celui qui la redoute. Innama adatu hasr. Ta seule mission, c'est d'avertir celui qui la redoute. C'est ça ta mission. Et non pas d'annoncer quand est-ce qu'elle aura lieu. Et d'ailleurs, ce n'est pas une condition nécessaire que de connaître l'inconnaissable ou de connaître l'avenir pour être prophète. C'est pas parce que un prophète ne connaît pas l'avenir qu'il est un imposteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce qu'Allah azza wa jalla a rapporté sur lui dans le Coran, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable. Voilà. Et l'heure fait partie de ça, l'inconnaissable. Ni que je connais l'inconnaissable. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Donc, c'est pas parce que je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu l'heure, ou je ne sais pas ce qui va arriver, que je suis pas un prophète. Dieu me dévoile une partie de l'invisible,
une partie de ce qui est inconnaissable et il occulte une grande partie sur moi. Le verset, il dit, إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَهَا. Tu n'es qu'un avertisseur de celui qui la redoute. Et celui qui ne la redoute pas, tu n'es pas un avertisseur. Qu'est-ce que ça laisse entendre? Tu n'es qu'un avertisseur de celui qui la redoute. Ça suppose que celui qui ne la redoute pas, tu n'es pas un avertisseur. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertit tout le monde. Celui qui redoute l'heure ou celui qui ne la redoute pas. Celui qui y croit, celui qui ne la croit pas. C'est sa mission. Parce que déjà lui, il ne sait pas quel sera l'impact de son avertissement sur le cœur de celui à qui il s'adresse. Est-ce qu'il va me croire ou est-ce qu'il ne va pas me croire? Donc dans ce cas, je ratisse large. Je préviens tout le monde et j'avertis tout le monde. Mais ce que veut dire le verset, c'est que seuls ceux qui redoutent l'heure qui vont bénéficier de ton avertissement, qui vont tirer profit de ton avertissement. Et ceux qui ne la redoutent pas parce qu'ils n'y croient pas, ils ne vont pas tirer profit de ton avertissement. D'accord? Mais ça ne suppose pas ce verset-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prêche que celui qui redoute. Nous, normalement, nous, on prêche tout le monde. Parce qu'on ne sait pas si la personne va nous écouter ou ne pas nous écouter. On prêche tout le monde. Et après, libre à la personne de choisir ou de ne pas choisir. Et ça, pourquoi Allah a fait cette tournure-là? En fait, c'est pour rabaisser ceux qui ne croient pas à l'heure. Il ne veut pas les citer dans ce verset. Tu n'es qu'un avertisseur de ceux qui la redoutent. Ou les autres, je ne veux même pas en parler. Je les nie. J'occulte leur mention dans ce verset-là. C'est comme lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٍ » Tu ne vas pas faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Est-ce que Allah parle de ceux qui sont dans le tombeau, les morts? Ça c'est évident, tu ne fais pas entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Ça c'est le cas de tout le monde, tu ne peux pas faire entendre ceux qui sont dans le tombeau. Et d'autant plus que le prophète a parlé une fois, après la bataille de Badr, il a parlé à ceux qui étaient enterrés, parmi les polythéistes, les grands polythéistes. Ici, Manfil Qobur, ça veut dire ceux qui ont un cœur mort. On les considère comme des morts. Ils sont vivants, mais ils sont morts. Donc tu ne vas pas les entendre parce qu'ils sont à l'instar des morts. Tu ne peux pas les faire entendre. Donc là, il les compare aux morts pour les dénigrer, pour les rabaisser. Et là, pareil, puisque vous ne redoutez pas l'heure, donc le prophète, il ne fait que avertir ceux qui la craignent. Vous n'êtes pas concernés. Même si lui, son rôle, c'est bien entendu de vous en avertir. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi une deuxième lecture. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشَهَا. Au lieu de مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَهَا. مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشَهَا. Et en arabe, les deux se valent. Parfois, on enlève تَنْوِين, donc مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشَهَا, c'est تَنْوِين. Parfois, on enlève تَنْوِين et on laisse le mot dhamma. D'abord, pour la facilitation dans la prononciation, مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَهَا. مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشَهَا. Ça fait un peu plus lourd. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, lorsqu'on utilise « mundhirun », ça peut vouloir dire, ça veut dire que tu n'es qu'un avertisseur dans l'immédiat et dans l'avenir. Dans l'immédiat et dans l'avenir. Mais ça ne fait pas référence au passé. En revanche, lorsqu'il dit « mundhiru man yakhshaha », lorsque tu enlèves « tanwin », ça veut dire même dans le passé. Ce que tu as fait auparavant, avant de recevoir ce verset, tu y as averti auparavant. Tu avertis maintenant et tu avertis dans l'avenir. Donc rien que Tanwin peut changer un peu le sens. Et d'ailleurs, Tanwin, on le trouve وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُرِ مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشَهَا. Vous voyez, c'est la même chose, Tanwin. كَأَنَّهُمْ, dernier verset, كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir. Enfin, la traduction que vous trouvez, c'est qu'un soir, c'est une mauvaise traduction, ou un matin. Un soir, normalement, c'est un après-midi, même si l'après-midi, c'est pas un terme, parce que midi, c'est pas, chez les Arabes, il n'y a pas, mab'ada thaniya ashara. Chez les Arabes, ashiya, ça fait partie à la période, ashiyatan aw duhaha. L'ashiya, ça fait référence à la période qui sépare le moment où le soleil quitte le zénith jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ashiya. L'ashiya.
Par contre, Duha, c'est le début de la journée, le début du matin, Duha, lorsque le soleil monte à peu près à 1m50 de l'horizon. C'est 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes après le lever du soleil, après l'apparition du disque solaire. Donc, lorsqu'ils verront Tammal Kubra, lorsqu'ils verront l'heure, c'est comme s'ils sont restés sur Terre un après-midi ou Duha, moins que l'après-midi, parce que l'après-midi est plus long que Duha. Duha, c'est court. L'après-midi est long. Donc, c'est comme s'ils sont restés un après-midi ou comme s'ils sont restés seulement le moment de Duha. Selon celui qui va penser que c'est un après-midi, celui qui a beaucoup profité de la vie. Ah, il a fait le tour du monde, il a profité, il a mangé, il a fait tout ce qu'on peut espérer. Et en étant un débauché, tout ce qu'il a espéré. Ada, il va dire, je suis resté une demi-journée. Il a profité de la vie, il est resté je ne sais pas combien d'années. Ou la masse, Ada qui va te dire, Duha. Et parfois, il y a même des versets qui parlent de Sa'a, Sa'a tal min nahar, une heure de la journée. Encore moins. Et ça, c'est un sentiment, bien entendu. Même lorsque notre heure arrive, c'est-à-dire au moment où on veut mourir, on a l'impression qu'on n'a rien fait sur Terre. Il y a deux jours, j'avais appelé mon ancien professeur. Ça fait 20 ans, 20 ans facilement, que je ne l'ai pas vu. Et je ne savais même pas s'il est encore vivant, s'il était vivant ou mort. Donc j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé qu'il était encore vivant. J'ai réussi à trouver son numéro de téléphone et j'ai dit, je vais l'appeler. Je l'ai appelé. Bonjour, professeur. Je suis un ancien étudiant à vous. C'est qui ? Dès que je lui ai dit mon nom, c'est pas toi qui étais imam ? Je lui ai dit oui. Et d'ailleurs, il m'a sollicité pour aller se recueillir dans une mosquée parce qu'il a perdu un musulman, un ami musulman, et il a voulu se recueillir dans une mosquée. Donc, il savait que j'étais imam, il le cachait. Il m'a appelé, il m'a dit voilà. Bref. Et après, il me dit, qu'est-ce que tu deviens ? Alors, imaginez, pendant 20 ans que je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que tu deviens ? J'ai résumé ma vie en deux mots. Alors, j'ai pas trouvé quoi lui dire. Qu'est-ce que je vais lui raconter? Je vais à la mosquée, je fais des cours, je fais ceci, je fais cela. Selon celui que j'ai raconté, j'ai travaillé tant, ou j'ai trois enfants, ou j'habite toujours à Nancy. Résumé en deux secondes, et après t'as rien à dire. Voilà. 20 ans, tu le résumes en... Et c'est pareil, lorsque tu arrives à la mort, et ta vie va défiler devant toi comme si c'était un instant. Un instant. Tu vas, je suis né, tel bled, j'ai fait ça, je suis marié, j'ai eu tant d'enfants, où j'ai fait ma saïb et je suis mort, ça y est. Tu vas oublier le reste, les plaisirs, tout ce que tu as fait, les plaisirs, ce que tu as ressenti, ce que tu as mangé, là où tu as voyagé, l'argent que tu as thésaurisé, tout ça tu vas l'oublier. C'est ça la vie. Que tu aies vécu un siècle ou 20 ans, c'est pareil. La sensation au moment de la mort, c'est pareil. Sauf que les péchés, on va les voir grands, vont devenir immenses. Et ce qui était savoureux parmi les péchés va devenir amer au moment où on va s'en rappeler. Et ce qui était dur au niveau de notre pratique religieuse, des actes religieux, c'était de l'amertume. Venir à la mosquée le matin pour prier, aller apprendre le Coran, à s'asseoir une heure pour entendre, un cours. Tout ça, c'est beaucoup, c'est de la dureté, c'est de la fatigue et tout. Mais en ce moment de la mort, tout ça se transforme en un délice. Heureusement qu'il y avait ça, parce que je vais me rappeler de ça dans le bon sens du terme. Donc, normalement, on doit s'attendre à ce qu'ils disent « ashiyatan ou duhan ». Ashiyatan ou duhan. Mais lui, il a dit « ou duhaha ». Bien entendu, la traduction ne peut pas, parce qu'ils ont dit « le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin ». Mauvaise traduction. Duhaha, le ha, c'est un pronom. Il revient à qui ? Au dernier cité. C'est quoi le dernier cité ? L'ashiya. Au duhaha. Comme s'ils sont restés un après-midi ou un duha qui a précédé cet après-midi de la même journée. Hein ? C'est pour ça que le ha, il revient à l'ashiya. D'accord ? Donc il faut comprendre ce que ça veut dire. Normalement, on devait s'attendre à l'ashiyatan ou duhan. Mais lui, il a dit ou duhaha. Et ceci aussi, duhaha, ça va nous rappeler aussi un autre verset qui est, et ça, Jinas encore une fois, un verset qui est déjà passé
lorsque Allah Azzawajal a dit, en parlant de la terre, أغطش ليلها وأخرج ضحاها لم يلبث إلا عشية أو ضحاها. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Jinas, la concordance dans les termes dans la même sourate, et ça, ça montre la beauté de la sourate. Alors, pour terminer, une petite comparaison très rapide, comme on le fait d'habitude, entre cette sourate et celle qui va lui suivre. Celle qui va lui suivre, qu'on a déjà commenté, c'est sourate Abasa. Et cette sourate, elle est juste avant. S'ils se suivent, c'est qu'il y a un lien. Comme on l'a dit souvent, il y a toujours un lien entre une sourate et celle qui lui fait suite. Et automatiquement, celle qui la précède, forcément. Donc, quel est le lien? Quels sont les points de concordance entre les deux sourates? Dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla a parlé de Moussa et Pharaon. D'accord? Dans sourate Abasa, Allah Azza wa Jalla a parlé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le notable de Quraysh, Pharaïna de Quraysh. أما من استغنى فأنت له تصدى. Prophète صلى الله عليه وسلم, il est allé chez les notables de Quraysh pour essayer de les convaincre et tout ça. Comme Moussa عليه السلام est allé chez Moïse pour le convaincre. Et Moussa, il est allé chez Pharaon en lui parlant avec bonté, avec douceur. فقول له قولا لينا. Et le Prophète صلى الله عليه وسلم a parlé avec douceur aussi aux égarés et aux notables de Quraysh qui n'ont pas voulu d'ailleurs le croire. Et comme Pharaon n'a pas voulu écouter Moussa, et il l'a considéré comme un menteur, pareil, ces notables de Quraysh n'ont pas voulu écouter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils l'ont considéré comme un imposteur. Dans surat Naziat, Allah Azza wa Jalla dit فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Dans surat Abasa, il dit أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى. Il y a un lien entre استغنى و طغى. Allah Azza wa Jalla dit dans une sourate إِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى. Donc les deux vont de suite, ça rime. إِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَطْغَى, طغيان, dépasser les limites, أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى, lorsqu'il se sent lorsqu'il ressent qu'il n'a pas besoin d'autres. اسْتَغْنَى, ça veut dire il considère que j'ai pas besoin des autres. إِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى. فأما من طغى dans cette sourate et l'autre أما من استغنى, puisque les deux là sont toujours en lien. Lorsque dans sourate Naziat, Allah Azza wa Jalla dit إنما أنت منذر من يخشاها. Il parle toujours de l'khashia. Ça s'est répété beaucoup dans cette sourate. L'khashia, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans l'autre sourate, Allah Azza wa Jalla a parlé de l'a'ma. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وشوفوا أما من جاءك يسعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يسعى سعى يسعى سعى. Il y a beaucoup de concordance entre les deux sourates. Prenez-les et lisez-les et vous allez voir qu'il y a énormément de concordance. C'est pas pour rien que l'une fait suite à l'autre. Là, il va dire فَإِذَا جَاءَتِ طَامَّةُ الْكُبْرَى. Dans l'autre Abasa, il va dire فَإِذَا جَاءَتِ صَاخَ. Ou صَاخَ, c'est quoi? On a dit, c'est là, la sourdissante. Parce qu'il était en train de parler de qui? De l'a'ma. De l'a'ma. Abdullah ibn Ubay Maktoum, il était a'ma, celui qui est aveugle. Qu'est-ce qui lui reste? Hein? L'oreille pour écouter. Là, parce que il s'agit de l'oreille qui avec laquelle il peut écouter. Là, il a dit sakha, celle qui a sourdi. Ici, dans cette sourate, qala ana rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur le plus grand, le plus haut. Là, Allah a dit fa idha ja'ati tammatu kubra. Ça, c'est des indices qui vous permettent de ne pas se tromper lorsque vous apprenez ces sourates. Dès que vous Pharaon ana rabbukum al-a'la, donc forcément tammatu al-kubra, comme il a dit al-a'la. L'autre, parce qu'il a parlé de celui qui ne voyait pas, l'a'ma, donc ça, il pouvait entendre. Donc là, c'est sakha, la sourdissante. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a énormément de concordance. Là, Allah Azza wa Jalla dit, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. L'autre, il a dit, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Ça veut dire le jour-là, là, il va se rappeler de ce qu'il a fait dans l'au-delà, dans l'ici-bas. Et forcément, lorsqu'il va voir tous les péchés qu'il a fait, ici-bas, il va se rappeler de ça le jour du jugement.
D'accord ? Il va se rappeler. Et tout de suite, il va voir son frère, ou là son père, ou là sa mère. Vous croyez qu'il va aller les voir ? Il va les fuir, par peur qu'ils lui disent « Donne-nous un quelques hasanat ». Il va les fuir, parce qu'il s'est rappelé de toutes les mauvaises actions qu'il a accomplies. Donc c'est pour ça qu'il va fuir ses proches. Allah Azza wa Jalla ici, il dit « Antum ashaddu khalqan ami sama » et il nous a fait rappeler, il a fait rappeler de la création des cieux et de la terre, jusqu'à ce qu'il a dit « Akhraja minha ma'aha wa mar'aha » il a fait sortir de la terre son eau et le mar'a, son pâturage, mais aussi la nourriture de « le mata'allakum wa li'an'amikum » Là, il a fait, dans surat Al-Abasa, il a fait rappeler à l'homme « فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِ » que l'homme voit ce qu'il mange. Donc, méditation ici sur la création des cieux et de la terre, méditation ici sur ta propre nourriture. Et après, à la fin, il a dit « مَتَعَلَّكُمْ لِأَنْعَامِكُمْ » Là aussi, il a dit dans cette surat « مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ » Donc, vous voyez, et je peux sortir encore d'autres. « Tazakka » on va la trouver dans les deux. « Tazkiyat nafs » Bref, donc, je vous invite justement à relire les deux sourates et à voir les parallèles qu'il y a entre les deux. Et là, vous comprendrez pourquoi Allah Azza wa Jalla a voulu que cette sourate soit juste après l'autre. Nafa'ani Allah wa iyyakum bil Qur'an al-Karim wa bi hadith sayyid al-awwalin wa al-akhirin wa ghafara Allah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil 'alamin. Barakallahu fikum.